Salut mes chers abonnés, c'est Mister Game 38 et Mister Game Junior. On vous souhaite joyeux Noël. Ouais, Noël! même si c'est en retard. On vous souhaite aussi des bonnes fêtes de fin d'année qui vont arriver la semaine prochaine. Et on va pas vous dire bonne année en avance, mais ça vient du cœur. Alors, on va enchaîner par le bilan de ma chaîne de 2020. Alors, concernant ma chaîne, j'ai gagné à peu près 250 abonnés depuis l'histoire que j'ai eue avec un célèbre youtubeur. Papy, Ouais, Kirby ou Astarion, bon, voilà, vous savez carrément. l'histoire. Grâce à cette histoire, j'ai quand même connu des gens virtuels qui sont soit fidèles à ma chaîne, soit fidèles sur les réseaux. Mais cela, je m'en remercie de tout cœur. Tout. Voilà, c'est tout. Après, ensuite, j'ai pu aussi rencontrer des gens en irréel depuis 2019 à Même maintenant, Titi. comme Cyril 2.0, Steph, Monsieur Yellow, voilà, il va se reconnaître. J'ai pu rencontrer aussi Sylvain de Matos Game, que j'avais découvert dans la convention en Savoie Tuto, en 2019, et puis tuto moi. une photo des prix, oui. Voilà, et on a pu aussi rencontrer Conquerax. Bon, bref, voilà. Moi, t'es On va tenir à emprunter sur ça, mais franchement, moi, pour moi, j'ai fait YouTube pour le partage des vidéos déjà. Des vidéos, elles me plaisent toujours, ceux-là que je tourne et que je propose. Et rencontrer des gens, c'est du bonus, d'autres collectionneurs, d'autres passionnés. Et puis, voilà tout. Puis, j'aimerais bien rencontrer d'autres. Hein, peut-être l'année prochaine si la pandémie est partie, mais ça m'étonnerait. Mais on verra bien si on peut se déplacer un peu en liberté. Puis après, mon gros changement de cette année, c'est notre déménagement qui a eu il y a 2 mois. Vous voyez, ma collection est rangée maintenant en fond. Et puis mon fils Anthony, lui, il a réussi à avoir une belle chambre avec la collection de Blu-ray, DVD et les consoles. Voilà. Moi, pétain, un coup, pétain, attends, Ouais. attends, ma main, attends, je, Oui. attends, Ouais, je vais vous le décrire. Alors, monsieur, lui, il dit qu'il veut la PS5. C'est vrai que sur la première vague de PS5, on ne l'a pas pris. Point de vue finance, mais sur la deuxième vague que le vendeur m'a dit, les PS5 devraient arriver en avril. Et là, on économisera, on la prendra. Après lui, l'excuse Spider-Man Maestro Morales qui est sorti sur PS4 aussi, elle l'attire. Oui, l'excuse l'attire, oui. Et moi, pour le moment, j'ai pas d'excuse qui m'attire, pas de jeu comme ça qui m'attire sur PS5, mais avec le temps, je pense qu'il va y avoir d'autres jeux qui vont sortir et qui vont me faire hyper la PS5. Après moi la PS5, je la trouve moche, on va dire. Je la trouve vraiment trop, vraiment grosse. Mais Oui, après, Noël va beau, ouais, Noël va beau. blanc, c'est vrai que c'est beau, mais je pense qu'il y aura peut-être une console Sony, ils vont peut-être nous sortir la PS5 couleur noire, mais ça, on verra. Mais voilà, la PS5, elle me hype juste par rapport à la DualSense que. Franchement, je la trouve vraiment plus belle que la DualShock 4 qu'on a eu sur PS4. Et voilà tout. Après, j'espère que l'année 2021 sera mieux que la de 2020, point de vue de confinement, déconfinement, pandémie. Moi, après, c'est vrai que moi, pendant le confinement de cette année, j'ai bossé. Hein. Vous savez très bien que je suis aussi vie à domicile. Et moi, Moi non. au plus fort de la pandémie, en mois de mars, j'ai travaillé. Après, bon, j'ai eu une belle prime à la fin d'année, tout à fait normal. Après, le personnel soignant, ils ont fait des trucs de fou pour tenir certaines personnes en vie. Je les remercie eux aussi. Et puis voilà, je vous remercie. Tous les abonnés fidèles Tout. depuis le début, les nouveaux qui arrivent. Excusez-moi que des fois dans les vidéos, voilà, je bafouille un peu, mais le contenu est là, j'espère, pour vous. Hein. Après, c'est vrai que je fais souvent mes contenus en une prise. Je coupe pas trop. Et après, c'est pendant le montage
que je mets des incrustes, tout ceci comme ça. Vous avez, certains ont remarqué qu'en montage, je me suis amélioré depuis 4-5 vidéos parce que j'ai trouvé un logiciel qui était mieux que mon précédent et mon précédent encore. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, pas la référence, le commentaire. Et je... Ouais, surtout bleu, ouais, surtout bleu, comme il dit Anthony, surtout bleu. Et je vous dis l'année prochaine, parce que mes cadeaux de Noël, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu qu'un pour le moment de la part de ma chérie et de mon fils Anthony. Et après, les autres devraient arriver. Mais pour le moment, bidon Noël, je pense pas qu'il y en aura une. Mais je vais vous présenter le cadeau en exclu que j'ai posté hier sur Instagram. Follow-moi, c'est MrGame38 et le cadeau. C'est la tirelire de Shenron. Voilà, ça c'est mon cadeau de Noël de la part de ma chérie et de mon fils. Voilà, je vous dis à plus. Bisous, bisous, bisous. Et peace.